Bonjour tout le monde et bienvenue sur le plateau de 5 sur 5 médias. Nicolas Panda à votre service et on se retrouve comme d'habitude chaque semaine pour notre émission Parlons Immobilier. Donc à titre de rappel, je suis agent immobilier à Everest Realtors à Rockville dans la région métropolitaine de Washington. Et comme d'habitude, on va s'y mettre. Et aujourd'hui, on va revenir sur le credit report. Parce que bon, c'est un sujet pour lequel j'ai reçu énormément de questions. Et oui, il y a une ou deux choses que je pourrais ajouter justement sur l'émission qui a eu lieu auparavant. Parce que bon, c'était beaucoup plus global, mais il n'y avait pas de détails en ce qui concerne spécialement comment réparer le crédit. Parce que bon, pour quelqu'un qui n'a pas de crédit, on sait déjà ce que c'est, c'est-à-dire il prend une carte de crédit sécurisée, il s'y met, après un moment, 6 mois, 1 an, il a une carte, bon, c'est bon. Mais bon, dans le cas où le crédit est totalement endommagé, qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut le faire? Parce que je crois que la réponse à laquelle, donc, le sujet que je n'ai pas bien élaboré, était le comment faire pour éviter ces agences, justement, les charlatans, comme je les appelle, justement, qui vous soutirent de l'argent chaque mois sous prétexte qu'ils peuvent retirer les informations sur votre crédit afin de booster votre credit score. Bon, avant d'entamer, avant de continuer, je vais m'attarder, je crois que bon, en répondant aux questions que les gens m'ont posées, je serai sur l'émission et on continue sur le sujet. Bon, là, j'ai une question qui vient de Madame Sandrine. Elle a dit qu'elle elle aimerait acheter une maison l'année prochaine et elle a un credit score qui est de 620 et elle a 3 cartes de crédit. Donc, elle en a une avec Citicorp, il y en a une autre avec une autre compagnie qu'elle n'a pas mentionnée et elle a American Express. Et bon, elle dit que tous ses paiements sont à jour, mais elle devrait savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour élever son crédit. Et elle demande justement s'il faudrait qu'elle ferme 1 ou 2 cartes, et si oui, laquelle. Madame Sandrine, merci pour votre question et tout. Vous savez, vous pouvez avoir votre crédit, bien sûr, comme vous le dites, pour le moment est à 620, mais le nombre de cartes de crédit que vous avez n'influence pas tellement, c'est pas ce qui fait que votre score est à 620. Ce qui influence votre score, justement, c'est le montant que vous devez sur ces cartes-là. Bon, American Express, dans le temps, bien sûr, on avait American Express, il n'y avait pas... C'était une fois qu'on... Si on charge 100 $, on paye 100 $, donc il n'y avait pas de conséquences. Mais je sais que American Express a des plans maintenant, ils ont des plans où les gens justement payent en étape mensuellement, ils amortissent justement les paiements. Bon, si c'est ce genre de paiement là que vous avez, à ce moment-là, bon, American Express pose un problème. Donc au fond, American Express se met à ce moment-là au même titre que vos autres cartes de crédit que vous avez comme Mastercard ou bien Visa. Mais ce qui fait que vous avez 620, c'est pas parce que vous avez les 3 cartes. Et fermer une carte et tout. Bon, vous avez dit que vous en avez une qui a une limite de 1 000 $ et tout. Je vais vous dire ceci. Vous savez, ce qui cause des problèmes, ce qui baisse notre crédit, on peut avoir 5, 7, 9, 10 cartes de crédit. Ce n'est pas ça qui va faire que bon, notre note de crédit chute. Ce qui fait que ça chute, ça veut dire combien d'argent, combien vous devez sur chacune des cartes. Parce que vous voyez, je crois que c'est le commun de nous tous. En général, quand on a une carte, et ça c'est la moyenne pour tout le monde, là je ne m'adresse pas directement à vous. La plupart du temps, qu'est-ce que nous avons? On a une carte de crédit, la limite de crédit est de 1 000 $. Mais en général, qu'est-ce qui se passe? On doit 800, 850, 900 $ sur la carte. Et quand on a de la malchance, ou bien qu'on ne paye pas à temps, les pénalités viennent, ou bien si on surcharge, on passe la limite, on a les pénalités non seulement pour avoir dépassé la limite de crédit, mais en plus de ça, si on n'a pas payé à temps, cela s'ajoute. Et qu'est-ce qui arrive? Sur une carte de 1 000 $, on se retrouve avec une dette de 1 120 $ parce que bon, ce n'était pas voulu.
Si vous avez une carte de 1000 dollars, vous avez vos trois cartes. Vous avez votre Visa, vous avez votre Mastercard et vous avez votre American Express. Ici, j'assume que American Express a un paiement mensuel. Ce qui se passerait dans ce cas-là, c'est-à-dire c'est de diminuer le ratio. Et ça s'applique pour les gens justement qui veulent booster leur crédit, ça s'applique à tout le monde. C'est-à-dire au lieu que vous avez sur votre carte de 1000 dollars, il est mieux que vous ayez une disponibilité de crédit sur votre carte qui soit de 800 à 850 dollars au lieu que ce soit le montant que vous deviez. C'est-à-dire que bon, si sur votre carte, vous avez une carte de 1000 dollars et que sur cette carte, ce que vous devez sur la carte est 150 dollars, c'est bon. Si votre seconde carte, qui est peut-être, disons, 2500 dollars, vous devez quelque chose comme 400 dollars, c'est bon. Parce que ça veut dire que vous n'avez pas, votre ratio de dette est inférieur. Donc, dans ce cas-ci, vous n'avez pas besoin vraiment de fermer vos cartes. C'est-à-dire que de les fermer pour booster votre crédit. Si vous êtes assez discipliné, et je suppose que vous l'êtes, la chose qu'il faut faire pour rebooster votre crédit dans ce cas-là, c'est de payer ces cartes de façon à ce que justement votre ratio de dette devienne minime. Donc, quand votre ratio de dette diminue, c'est-à-dire que bon, vous ne devez que sur chacune des cartes, vous avez une date de 20%, une dette justement qui représente soit 15% ou 20% sur chaque carte, vous êtes bonne. Vous allez voir que justement, votre code de crédit va augmenter. Parce que ce que vous devez, vous souvenez-vous, quand j'ai parlé d'émission de crédit, quels sont les trois facteurs principaux qui font justement qu'on a des problèmes avec le crédit et que la cote de crédit baisse? D'abord, c'est l'historique, le credit history, le montant que vous devez sur ces cartes et la fréquence à laquelle vous les payez. Si vous manquez un de ces trois-là, s'il y a quelque chose qui ne va pas, dans votre cas, vous avez probablement le credit history, puisque bon, vous avez déjà les cartes de crédit, donc ça s'assume que vous avez un credit history. Mais si votre ratio de dette est élevé, ça c'est un point d'interrogation. La fréquence, vous l'avez, mais vous voyez, ces trois facteurs-là vont ensemble. Donc, vous devez essayer de gérer les trois. Vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez fermer, c'est bon, mais vous n'êtes pas obligé de fermer vos cartes. Si vous les payez et que vous ne les rechargez pas, parce que ce qui arrive justement dans la plupart des cas, c'est-à-dire que les gens, on est là, on paye une carte et le jour qui suit, allez, on recharge la carte pour acheter du carburant ou bien pour acheter à manger dessus et tout. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On retombe dans la même bouillabaisse. On ne sort pas. C'est-à-dire, on paye, on recharge et on reste au point où on était justement. Donc, dans votre cas, vous n'êtes pas obligé de fermer ces cartes-là. Payez-les et diminuez justement le pourcentage de ce que vous devez comme dette sur la carte. Donc, il est mieux que votre ratio de dette soit de 15 à 20% au lieu de 80 à 85%. Au fond, c'est ça la grande différence. Si vous parvenez à arriver à ce ratio, sur les trois cartes, votre ratio de dette est de 15 à 20%, vous allez voir, vos 620 vont booster et vont aller à 700 et quelques. Donc, ça, c'est ma réponse à votre question. Alors, là, j'ai une autre question. Ça, c'est un monsieur Philémon. Il me dit que bon, il y a 6 mois, il a co-signé pour quelqu'un afin que la personne puisse avoir un appartement. Et bon, en ce moment précis, il essaie de refinancer la maison. Il voudrait savoir quel impact cela pourrait avoir sur son refinancement. Monsieur Philémon, le seul drame qui pourrait vous arriver justement, c'est si la personne pour laquelle vous avez co-signé ne paye pas son loyer à temps. Si la personne paye le loyer à temps, ça veut dire que vous n'avez pas de problème à ce moment-là. Ça veut dire que ça va, vos factures sont payées à temps, ce que vous devez sont payés, parce qu'après tout, bon, le co-signement, il est en principe, bon, le lease, il est en général, il est de une année. Bon, il y a déjà 6 mois que vous l'avez fait, donc vous avez encore pour 6 mois. Mais tant que la personne pour laquelle vous avez co-signé, elle paye son loyer à temps. Et une fois, parce que vous voyez, quand vous co-signez, vous avez co-signé il y a 6 mois, vous avez encore 6 mois. Quand le lease termine et que les paiements ont été faits à temps,
et convenablement, allez recontacter la personne pour laquelle vous avez co-signé et retirez votre nom du lease. À ce moment-là, cette responsabilité-là ne vous incombe plus. Donc, c'est une dette, justement, qui n'est plus là. Mais bien sûr, pour le loyer, ce n'est pas comme une carte de crédit. C'est-à-dire, bon, c'est un loyer. Les critères, justement, de qualification sont différents. Mais dans ce cas-ci, si vous voulez refinancer maintenant, votre seule mauvaise chose serait si la personne pour laquelle vous avez co-signé n'a pas payé, ne paye pas son loyer à temps. Si vous n'avez pas ce problème-là, ou bien si vous ne comptez pas, c'est-à-dire que si vous êtes un peu patient, bon, bien sûr, on ne sait pas quels seront les taux d'intérêt dans 6 mois, mais si le problème ne se pose pas et tout, attendez 6 mois, autant que le lease prenne fin, et retirez votre nom du lease, parce qu'à ce moment-là, la personne est assez qualifiée, justement, pour rester sur le lease et à continuer à payer son loyer. Ça, c'est une des solutions. Donc, ça, c'est seulement, hein, ça, c'est si tout se passe bien. Bon, maintenant, si la personne ne paye pas comme il faut, là, franchement, vous êtes dans la... Là, vous êtes vraiment mal parti, quoi. J'allais dire autre chose et tout. Mais bon, c'est cela. Donc, notre émission d'aujourd'hui est, bien sûr, comme vous avez le constaté, sur le crédit, parce que nous allons revenir justement sur les réponses que j'ai données à ces deux personnes et tout. Quand vous tirez votre credit report, comme c'est le cas en général, il y a des étapes, il y a bien sûr, vous avez des codes et on vous explique les codes. Lisez très très bien. C'est-à-dire que quand je vous demande, je vous dis, écoutez, allez-y, lisez ce qu'il y a sur votre crédit et vérifiez ce qu'il y a dessus. Vous savez, au cas où ça ne va pas, prenez même une loupe. Et allez-y côte par côte, côte par côte. Parce qu'en principe, qu'est-ce qui fait que nos crédits sont si mauvais en général? Ce sont les collections. Parce qu'on n'a pas payé à temps. Les agences de collection viennent et elles commencent à nous harasser. Et ça prend 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, et après à un moment donné, c'est charged off. Alors là, bon, là c'est la totale, quoi. Je ne vais pas mentionner un bankruptcy parce que le bankruptcy, ça vient d'une cour, ça vient du Federal Court. Donc il n'y a pas moyen de l'enlever, mais il y a moyen de la contourner. Il y a moyen de contourner le bankruptcy. Et ça, si le bankruptcy a été décharge. Mais justement, je vais arriver au sujet et tout. Si vous avez un judgment, bon, le judgment, le seul bon remède pour un judgment, c'est le temps. Parce que le judgment aussi défère de la Cour fédérale. Et ça ne s'enlève pas du jour au lendemain, bien sûr, comme le child support. Même le child support, si vous avez un child support, si les choses sont revenues en place et tout, c'est à vous d'écrire justement au juge qui vous a condamné et de prouver que les paiements, justement concernant justement la cour, hein, pas forcément le juge qui vous a condamné, et de prouver votre point. Une fois que vous l'avez, documentation et preuve à l'appui, devinez quoi, ça va partir de votre crédit, ça reste sur votre crédit indéfiniment, seulement si vous ne payez pas. Mais au moment où vous reprenez vos obligations et que vous faites tout ce comme il faut et que vous rattrapez le retard de ce que vous avez comme paiement, vous écrivez et vous avez la preuve à l'appui, cela va partir de votre crédit. Et là, automatiquement, bon, ça va remonter. Mais commençons d'abord par les collections. Et revenons sur le problème du crédit. La première étape, c'était vérifier votre crédit et tout. Maintenant, sur ce que vous devez, essayez d'établir un calendrier de paiement. Ça, c'est quand vous y allez vous-même, parce que c'est à vous-même de réparer cette histoire-là. N'allez pas chez les charlatans et choses et tout, parce qu'au fond, ils utilisent la même procédure, mais seulement ils vous soutirent de l'argent. Et ça, ce n'est pas bon. Vous établissez un calendrier de paiement. Et quand vous payez, payez dans le but de réduire votre dette. N'allez pas, vous avez une dette, une carte de crédit de 500 $, votre minimum payment est 50 $, vous devez sur la carte 450 $,
Vous payez vos $50 et le lendemain, vous attendez qu'il y ait assez de availability, de disponibilité sur la carte et tout, et vous allez recharger autre chose le lendemain. Ça ne va pas vous aider. C'est-à-dire que quand on vous dit qu'il faut réduire le montant de ce qu'il y a comme dette et choses et tout, c'est-à-dire que vous payez et vous mettez de côté. Vous ne réutilisez plus la carte, c'est-à-dire n'utilisez plus les cartes qui ont justement qui ont des dettes assez importantes dessus. De toute façon, toutes vos cartes en général. Donc, si vous devez commencer à réparer votre crédit, apprenez à utiliser moins vos cartes de crédit. Si pas, ne les utilisez plus du tout. Utilisez des debit cards s'il faut et du cash. Bon, debit card parce qu'elles fonctionnent comme les cartes de crédit, mais pendant ce temps-là, vous payez vos cartes de crédit et vous n'y touchez plus. Parce qu'on tombe tous dans le même piège. C'est-à-dire que bon, le jour où on se dit, bon, je dois $500 et ma balance, il ne me reste plus que $5 de disponibilité. Bon, ce mois-ci, je vais payer $100 pour réduire ce que je dois sur ma carte de $500. Et puis après une semaine, vous voilà à Giant ou bien à Safeway ou bien à Target pour aller racheter quelque chose dessus. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive à votre ratio de dette? Le ratio de dette, vous revenez au statu quo, c'est-à-dire que vous ne faites absolument rien. Donc, quand vous décidez à le faire, vous payez, vous mettez les cartes de côté. Les seules choses que vous allez utiliser, donc, achetez ce dont vous avez besoin et mettez toutes vos cartes de crédit de côté. Utilisez pour vos achats journaliers et choses et tout, comme il y a le système de debit card, c'est très, 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 très bien. Utilisez vos debit cards et faites les achats dont vous avez besoin seulement sur le debit card. Et tout ce que vous payez sur la carte de crédit et les dettes que vous commencez à diminuer et choses et tout vont s'accumuler. Et devinez quoi? Moins vous avez, moins au moment où le ratio de dette diminue, votre cote de crédit augmente. Parce que non seulement vous auriez fait deux opérations au même moment, c'est-à-dire que non seulement vous avez payé votre carte à temps, mais vous avez diminué le montant de dette que vous avez sur cette carte-là et tout. Mais quand vous allez recharger, devinez quoi? Vous détruisez justement la deuxième option. Alors, au cas, bien sûr, ça je l'avais dit auparavant, si vous ratez un paiement, essayez de le rattraper et payez-le pour être sûr que bon, les choses font. Et puis après, évitez de payer, surtout quand vous avez des dettes que vous voulez, si vous voulez faire remonter votre crédit, évitez de payer seulement le minimum payment. Parce que si ce n'est que la balance minimum que vous payez, ça non plus, c'est comme un chat qui est en train d'essayer d'attraper sa queue, quoi. Ça n'ira pas du tout. C'est-à-dire que vous allez continuer à tourner tout autour de peau et vous n'allez vraiment pas sortir du panneau et tout. Bon, alors, il y a une autre chose que vous ne devez pas faire, parce que vous voyez, le truc avec le credit report, ce n'est pas que parce que vous avez 2, 3, 4, 5 cartes de crédit, ça c'est justement, basant justement ce que j'ai donné comme réponse à Madame Sandrine. Vous pouvez avoir 5 cartes de crédit, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est justement, c'est de payer ces cartes de crédit et d'être sûr que vous ne devez pas beaucoup sur ces cartes de crédit. Ça, c'est la stature et tout. Bon, maintenant, dans le cas, non, il y a quelque chose d'autre que je vais ajouter. Non, je vais passer, je vais revenir dessus un peu plus tard. Payez vos dettes au lieu de fermer les comptes. Ça, c'est ce que je viens de dire et tout. Ne fermez pas les anciens comptes. Parce que justement, ça établit votre credit history. Bon, maintenant, écoutez, vous avez un problème de collection. Et là, c'est là où ça va redevenir intéressant et tout. Qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour réparer vos crédits et tout? Quand vous regardez votre page de crédit, le credit report que vous recevez, vous savez, les agences de collection de dettes, elles changent pratiquement tous les 6 mois. Parce que vous savez ce qu'elles font? Elles prennent la dette, elles la revendent à une autre agence de collection et tout. Mais à supposer que vous êtes là, vous voulez liquider vos dettes et vous voulez justement booster votre crédit. Il arrive que, bon, vous aviez la compagnie A, disons, à titre d'exemple, la compagnie Alpha Collection, qui, justement, collectait les fonds pour une compagnie Y à laquelle vous deviez de l'argent. Après 6 mois, Alpha Collection a vendu votre dette à Beta Collection. Mais devinez ce qui se passe. Alpha Collection reste sur votre crédit. Alors que cette dette-là,
elle n'existe plus parce qu'elle a été vendue à Beta Collection. Donc, ce que vous devez faire, c'est pour ça qu'il faut bien lire votre crédit. Quand vous regardez votre crédit et les choses et tout, il y a toujours les coordonnées de l'agence de collection, il y a un numéro de téléphone, et il y a une adresse, et il y a un numéro de compte, un account number qui va avec. Si Alpha Collection a vendu votre dette à Beta Collection, Alpha Collection n'a plus de raison d'être là sur votre crédit parce que si elle reste là, ça vous met votre crédit, ça vous diminue votre score et tout. Donc, vous devez les appeler. Vous les appelez et vous les écoutez. Étant donné que ce n'est plus vous qui négociez ma dette et qui collectez l'argent pour mon paiement et choses et tout, je vous demande justement de retirer vos informations de mon crédit. Vous venez quoi ? Au moment, c'est déjà une agence de collection qui est partie de votre crédit. Mais quand vous ne regardez pas ça, quand vous ne regardez pas ces détails-là et choses et tout, mais facilement, vous allez vous retrouver. Si Alpha Collection a vendu à Beta et Beta a vendu à Gamma, et c'est toujours la même dette, hein? C'est toujours la même dette qui va de Alpha, Beta, Gamma, mais vous allez vous retrouver justement avec des collection agencies et choses et tout, et devinez quoi ? Ça va vous causer du tort sur votre crédit. Donc, appelez les agences qui ont vendu, donc qui n'ont plus rien à voir avec le compte pour lequel justement vous avez des dettes et choses et tout, de retirer leur information, surtout si elles ne servent plus la cause de la compagnie pour laquelle ils ont été engagés. Ça, c'est A. Et ça, c'est ce qu'en général, les charlatans la font. Numéro 2. Vous avez Beta Collection qui est en train de gérer votre dette pour le moment et tout. Et vous êtes en train de payer, vous êtes en train d'essayer d'éliminer la dette que vous avez avec Beta Collection. Alpha, vous avez déjà appelé pour qu'ils retirent justement l'information de votre credit report parce que they don't handle it anymore. Ça, c'est un. Vous allez maintenant à Beta Collection. Beta Collection, vous négociez, c'est avec eux que vous êtes en train de payer la dette et tout. Vous pouvez, c'est-à-dire qu'au moment où vous faites les paiements, au moment où vous arrivez au dernier paiement, vous pouvez leur demander, vous les appelez, vous dites, écoutez, je vais effectuer mon dernier paiement. Est-ce qu'il est possible qu'au moment où je fasse mon dernier paiement, parce que normalement, il y a ces appels, ces agreements, ces lettres d'agreement avec lesquels le client et la compagnie d'agence de collection s'entendent. Vous les contactez et vous dites, bon, écoutez, maintenant, je vais mettre le dernier paiement. Est-ce qu'il serait possible que vous retiriez aussi vos informations de mon credit report? Croyez-moi, ça se fait. Et c'est comme ça, justement, que les choses se procèdent. Donc, vous les appelez et ceux qui vont vous dire et demander, n'oubliez pas de demander une lettre, un agreement qui montre justement qu'ils sont d'accord pour cela. Parce qu'il arrive quelquefois que vous faites un « you settle », donc vous négociez la dette avec l'agence et tout. C'est-à-dire que bon, si vous deviez 1 000 $, vous pouvez négocier de façon à ce que bon, vous ne payez que 750 $. Mais c'est fait et tout. Mais au moment où vous payez ce montant, vous pouvez aussi leur demander qu'ils vous envoient une lettre justement prouvant cela. Parce qu'il faut toujours que ce soit par écrit. Ne vous basez pas sur le verbal parce que vous ne les voyez pas ces gens-là. Vous leur parlez au téléphone, mais vous ne les voyez pas. Vous ne savez pas où ils sont localisés. En général, ce sont des toll-free numbers. Est-ce que vous savez où ces gens appellent? Quelquefois, ils viennent des Indes, des Philippines. Je ne vais même pas mentionner la Chine. Je ne pense pas qu'il y a quelque chose à voir dedans. Mais enfin, vous savez de quoi je parle. Donc, vous les contactez, ils vont vous envoyer, ils peuvent vous envoyer par email. Au moment où vous faites le paiement et que vous négociez ce paiement et choses et tout, vous faites le paiement est fait, devinez quoi, ils vont retirer l'information de votre credit report. Ça, c'est how to handle the collections. Parce qu'il y a vraiment des moyens de le faire, il y a des moyens de le faire, vous n'êtes pas obligé. C'est-à-dire qu'il vous faut un peu de patience et un peu de temps. Et comme je vous l'ai dit, c'est toujours le temps qui compte et tout. Bon, il y a autre chose. Quand vous avez une collection, à supposer que c'est la même collection, là c'est un autre cas, et que ça fait déjà 2 ans qu'ils sont derrière vous et choses et tout, après 2 ans, de collection, suivez bien, hein, regardez bien votre crédit. Là où les appels d'harassement et choses et tout ont commencé et votre cauchemar journalier a commencé, après 2 ans, ça ne sert plus à rien, ne payez même plus.
Parce que vous voyez, tout ce que vous faites avec Alpha, Beta et Gamma Collection, en général, bon, c'est vers le début, là, quand ça commence, les choses et tout, et après vous le gérez, puis après c'est parti. Mais une fois que ça a déjà fait 2 ans, ne vous compliquez plus la vie d'essayer de gérer le problème parce que ça ne partira plus. Non seulement ça ne partira pas, mais après 2 ans, ça n'affecte plus autant que ce que ça affecterait si justement la collection est neuve. Et pour cela, justement, je vais me baser sur quelqu'un qui a eu un bankruptcy, à titre d'exemple. Si vous avez eu un bankruptcy et que le bankruptcy a été discharged, il doit être discharged. S'il n'est pas discharged, ne comptez même pas dessus. En général, vous savez très bien qu'un bankruptcy, c'est une mauvaise information sur le credit report et il reste jusqu'à 10 ans sur le crédit. Mais, après 2 ans, 24 mois, si vous aviez, bien sûr, quand vous avez fait un bankruptcy, ça veut dire que vous n'avez plus de dette. Mais le titre de bankruptcy est assez puissant pour vous compliquer la vie pendant des années. Le truc, c'est que justement, reprenez une carte sécurisée. Après 2 ans, ce n'est possible qu'après 2 ans. Écoutez-moi bien. Vous prenez une carte sécurisée et vous l'utilisez justement, bien sûr, vous voyez avec un credit union ou quoi que ce soit et tout. Après 2 ans, normalement, et si vous n'avez pas de déboires financiers ou quoi que ce soit et tout, les compagnies peuvent commencer parce qu'ils se rendent compte que vous n'avez plus de dettes par-ci, par-là, que vous devez payer partout et que tout a été settled en une dette. Vous pouvez contacter une dette. Vos taux d'intérêt seront un peu élevés. Non, pas un peu élevés. Qu'est-ce que je raconte? Ils seront élevés. Ils seront élevés. Mais si vous gérez cette dette-là, c'est-à-dire que ces crédits que vous avez contractés, après le bankruptcy, hein, parce que vous voyez, bon, vous avez votre bankruptcy, disons que vous l'avez eu en 2012. Là, nous sommes en 2014. Vous avez décidé, vous voulez acheter une voiture. Croyez-moi, vous allez chez un car dealer, après 2 ans, ils vont vous financer la voiture. Seulement, les taux d'intérêt seront élevés. Les dettes que vous allez contracter après le bankruptcy, si vous les gérez convenablement, c'est-à-dire que vous vous arrangez de façon à ce que votre ratio de dette soit de 20% ou 15%, en tout cas de 15 à 20%, je ne sais toujours pas pourquoi je commence par 20 et je termine par 15 au lieu de commencer par 15 et aller à 20. Si vous respectez ce ratio-là, ce ratio de dette et que vous payez à temps convenablement et tout, malgré le bankruptcy, votre credit score va monter. Donc, vous enlevez les collections en les appelant, ça va partir de là. Et quand vous les appelez, en général, soyez conciliants parce qu'il y a des gens qui appellent, c'est comme si... C'est-à-dire que c'est eux qui doivent, mais quand ils appellent, c'est comme si c'était les gens, eux, qui leur devaient. Et en général, ça ne pose pas de problème. Il n'y a rien de mieux de gérer un problème comme cela avec la gentillesse et de la patience. Parce que la personne sur laquelle vous allez tomber, elle peut faire, vous êtes surpris, un petit sourire, un petit mot gentil, et choses et tout, ça peut changer beaucoup de choses. Mais quand vous y allez, vous dites, well, you know everything, well, this is America, man, nanana, vous savez ce qui se passe? Ben là, ils vont vous enterrer. Hein. Et vous en aurez au moins pour 7 ans, parce qu'en général, ça reste 7 ans sur le crédit. Donc, il y a, bien sûr, comme je l'ai dit, avec le truc de crédit, il n'y a pas de méthode magique. En général, c'est le temps. Toutes ces solutions justement que je vous ai données, ça va avec le temps. Quand vous avez par exemple des charges qui ont été charged off, ça oubliez parce que les charge off, ça ne prend pas autant de temps que bien sûr la bankruptcy, mais ça reste aussi, c'est une mauvaise information qui justement affecte votre crédit. La seule chose que vous pouvez faire, c'est-à-dire que ce qui vous reste comme crédit, de le gérer convenablement. Vous le faites, ça va aller. Vous pouvez acheter une voiture, vous pouvez faire ce que vous voulez, et tout, bien sûr, pour l'achat d'une maison, c'est un peu délicat, parce que vous voyez, quand je dis que, bon, pour acheter une maison, votre score doit être au moins à 640 points, ça, c'est le minimum requis. Mais ça ne veut pas dire que si vous voulez acheter une maison, donc, dès que vous allez arriver à 640, vous y allez. Parce que quand vous avez un score de 640, n'oubliez pas, vos taux d'intérêt seront élevés. C'est-à-dire que maintenant, si on vous publie pour un FHA un taux de
Si on vous dit que bon, pour financer une maison, aujourd'hui, si vous voulez acheter une maison, le taux est de 3,6% ou bien 625%, comme c'est le cas actuellement et je sais tout. Si vous avez un score de 640, ça ne vous qualifie pas pour le taux de 3,625%. Le taux de 3,625% s'applique aux gens qui ont plus de 720 points et au-dessus, entre 720 et 850. Mais 720 même, ils n'auront pas. C'est beaucoup plus les 800 et quelques qui vont attraper ce joli taux d'intérêt. Donc, nettoyez votre crédit, nettoyez-le. Parce qu'il n'y a pas de... Ce sont des choses que vous pouvez faire. Vous avez ces gens-là, ils vous le disent. Et puis après, ils ne font pas exactement ce qu'il faut. Alors, pour les gens qui ont des problèmes à gérer l'argent, parce que vous voyez, ça aussi, ça existe. Ça existe ou bien c'est plutôt courant. Il a de l'argent, mais il ne parvient pas à se contrôler. Vous faites ceci. Allez ouvrir deux comptes bancaires. Okay? Un compte, c'est là où vous mettez l'argent, où vous payez vos dettes. Et écoutez-moi bien sur ce compte et je sais tout. Demandez-leur de ne pas vous donner de ATM card. Parce que vous savez, s'il y a une ATM card sur ce compte-là, ça va vous pousser à... C'est-à-dire, vous allez dire, ah mais pourquoi pas, bon, je vais rembourser. Non, il n'y a pas de remboursement. Ouvrez ce compte-là comme un compte, ça va ressembler à un compte bloqué, mais qui n'est désigné, c'est-à-dire que vous prenez l'argent de votre checking. Vous le mettez dans ce compte-là et c'est là où vous avez établi un paiement automatique pour toutes les dettes que vous avez de l'autre côté. Donc, comme ça, quand vous avez votre argent, vous avez votre check-in, vous savez déjà que, bon, si votre dette sur base mensuelle, si vous devez payer quelque chose comme 1 200 $ par mois de dette et que, bon, vous avez votre loyer que vous payez, vous avez à manger, le transport et choses et tout, vous savez quoi? Donc, chaque mois, vous prenez les 1 200 $ et vous avez déjà établi des paiements automatiques avec votre second compte. Vous prenez les 1 200 $, vous les déposez sur ce compte-là et vous n'y touchez plus. Et vous vivez avec ce qui reste. Ben, ça m'est égal si ce n'est que... Ça, ce n'est pas mon problème. Mais essayez de faire ça de façon justement à ce que votre ratio de dette diminue. Parce que si vous ne pouvez pas le gérer sur un seul compte, et c'est le cas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette discipline-là, et cette force de manipuler justement les finances et tout, il est mieux que ce soit quelque chose auquel l'accès en ce qui vous concerne est difficile. Si vous avez un compte où vous n'avez pas de ATM, ça ne va pas vous tenter. Et vos cartes de crédit ou quoi que ce soit, les choses et tout si vous ne pouvez pas fermer les cartes, mais il est mieux de ne pas fermer les cartes parce que ça vous laisse un crédit et tout. Donc, vous les mettez quelque part où c'est inaccessible. Pour ce compte en banque, ne demandez pas de ATM parce que ça va vous tenter d'aller prendre et recharger et tout. À la rigueur, ne demandez même pas un chéquier. Donc, c'est quelque chose que vous prenez, vous allez vous déplacer, vous allez une fois par mois vous déposer l'argent et tous vos paiements sont faits automatiquement. Donc, vous vous concentrez que sur le compte que vous utilisez tous les jours et sur lequel justement vous faites vos paiements. Et espérons bien sûr que ça va aller. Si vous décidez justement de ne pas le faire, bon là c'est un autre problème et tout. Mais pendant ce temps-là, je vous conseillerais de ne plus utiliser vos cartes de crédit. Vous savez, vous me faites tellement dire des choses qu'à la fin, j'oublie tout. Vous n'utilisez plus vos cartes de crédit. Donc, vous les mettez en berne. C'est-à-dire que vous les mettez de côté, vous n'y touchez plus et vous laissez les paiements s'effectuer. Et vous serez satisfait qu'après une certaine période de temps et tout, que tous les paiements sont effectués, les dettes auront diminué et devinez ce qui va arriver à votre credit score. Il va monter. Et comme je vous l'ai dit, c'est une question qui va avec le temps. Donc, pour cela, en tout cas, sur ce point-là, c'est là. Et puis, si vous avez un problème, en ce qui concerne la banque là, que vous devez ouvrir, si vous devez ouvrir deux comptes et choses, il est mieux que vous l'ouvrez à une credit union. Parce que la credit union, justement, ça vous éviterait de faire quoi que ce soit. Bon, il y a des gens qui ont des méthodes différentes. Il y en a en ce qui concerne, quand il s'agit de payer leurs dettes, ils se disent que bon, j'ai 5 dettes ouvertes. Et ils se disent que bon, soit ils vont commencer à payer les cartes qui ont un taux d'intérêt qui sont très élevés, et puis après aller petit à petit vers les autres. Et il y en a qui justement décident de les payer tout en même temps. Mais écoutez, c'est comme vous voulez.
C'est-à-dire la méthode qui marche pour vous, vous l'appliquez et vous vous y mettez. Parce que le mieux, c'est mieux. Si vous avez maintenant un problème de cash et que bon, à supposer que bon, votre salaire n'est pas existant, mais bon, que vous avez, vous travaillez et vous avez un salaire régulier, il y a aussi une chose que vous pouvez justement considérer justement pour noyer toutes ces dettes-là. Si vous avez un life insurance, vous pouvez aller emprunter sur votre life insurance. Ça dépend de combien d'argent vous avez, choses et tout. Et vous balayez justement tout ce que vous avez comme dette et tout, et vous mettez de côté. Et bien sûr, vous récupérez un peu plus tard sur les paiements que vous ferez d'office. Au cas, ça c'est dans le cas où une banque, par exemple, refuserait de consolider toutes vos dettes et tout, et que vous avez essayé des méthodes justement qui n'ont pas marché. Mais bien sûr, tout le monde n'a pas de life insurance. Tout le monde n'a pas de 401k. Donc, la seule chose à faire justement, ce serait d'utiliser wisely, c'est-à-dire sagement, ce qu'il faudrait faire et tout. Et puis après, bien sûr, ce qu'il faudra faire, vous devez avoir un budget. Quand je vous ai parlé des deux comptes bancaires, là, c'est une question de budget, c'est une question de discipline. Vous établissez votre budget, vous savez ce que vous allez payer, combien vous allez payer et quand vous allez le payer. Et mettez-vous toujours un reminder, donc quelque chose, un truc qui vous rappelle, c'est-à-dire qu'on a pratiquement tous des smartphones de nos jours et tout. Vous le mettez, si cela ne va pas, le compte que vous avez ouvert de côté, là, mettez-le et mettez les paiements automatiques. Parce qu'au moins quand c'est fait automatiquement par la banque et tout, il n'y a pas de problème. Et devinez quoi, quand les paiements sont faits automatiques par la banque et tout, et que la banque, pour une raison ou une autre, n'a pas effectué le paiement à temps et que vous vous retrouvez pénalisé à cause de ça, la banque va prendre cette responsabilité-là et ils vont l'enlever justement de votre crédit. Donc, allez-y, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Mais faites-le. Et puis après, disciplinez-vous, restez sur votre budget. Le budget que vous avez établi, n'utilisez plus de carte de crédit pendant au moins un an. Ne les utilisez pas, mais payez-les. Payez-les. Vous ne les utilisez plus, mais vous les payez. Et ce compte-là, pas de ATM. Eh bien, ça c'est pour ceux qui peuvent se discipliner, c'est autrement. Mais de toute façon, je suppose que si vous en êtes arrivé à ce point-là, c'est que vous n'avez pas pu vous discipliner. Donc, ne demandez pas de ATM. Prenez seulement le compte et tout, et allez-y. Demandez aussi, non, you don't want any ATM. Et vous établissez de façon à ce que les paiements, justement, se fassent automatiquement du compte auquel vous n'aurez pas accessible facilement. Et à ce moment-là, les choses seront là. Mais pour les agences de collection, lisez toujours vos credit reports. Contactez-les et négociez-les. Si vous êtes arrivé pour les agences qui n'existent plus, qui ont vendu votre compte à d'autres agences, contactez-les et demandez-leur poliment de retirer leurs informations de votre compte. Parce qu'une information négative de collection, une fois qu'elle part, c'est 50-100 points que vous gagnez sur vos credit scores. Hein? C'est vraiment pas de la blague. Et pour celle justement qui est encore active, sur laquelle vous agissez et tout, vous assurez que quand vous effectuez les paiements et tout, vous leur demandez au moment où vous arrivez vers la fin, s'ils peuvent, au moment une fois que le paiement est effectué, s'ils peuvent retirer l'information de votre compte. Et vous savez quoi, c'est ça que les charlatans font. Donc ils le font, ils disent, bon écoutez, on va tout consolider en une, donc on va effectuer les paiements et choses et tout. Bien sûr, ils se font de l'argent sur les taux d'intérêt parce qu'ils négocient tout cela et tout. Mais en principe, c'est ce qu'ils font. Et vous pouvez le faire vous-même, vous n'avez pas besoin d'aller de l'autre côté pour le faire et tout. Et sur cette note-là, si il y a quelque chose, parce que je sais qu'il y a toujours un problème. Ah, est-ce que je vais parler de la lettre qu'il vous faut? Oui, la settlement letter pour les agences de collection. Une fois que c'est payé à bout, c'est-à-dire que même si vous avez négocié et que vous avez payé moins de ce que vous deviez, demandez-leur toujours un settlement letter. Parce que justement, avec le settlement letter, non seulement vous avez la lettre, mais en plus de ça, c'est parti de votre crédit. Si vous avez un judgment, bon, c'est toujours bon que le judgment soit à zéro, donc vous le payez jusqu'à ce que vous arriviez à zéro, ça peut toujours aider, bien que l'information du judgment va rester, parce que le judgment ne va pas partir de votre crédit. Mais pour les gens qui ont le bankruptcy, après 2 ans, quand le bankruptcy a été dismissed, you're good to go. Vos taux d'intérêt seront un peu méchants, mais you're good to go. Et tant que vous gérez les nouvelles dettes que vous contactez convenablement, que vous contractez convenablement,
il ne doit pas avoir de problème de ce côté-là. Mais comme vous pouvez le constater, le bankruptcy, combien de temps il faut? 2 ans. Pour pouvoir liquider toutes ces dettes-là et choses et tout, pour que ça fasse impression et tout, ça dépendra de combien vous payez à ces cartes-là, votre maîtrise à ne pas réutiliser vos cartes de crédit et d'être sûr que vous payez tout à temps. Et surtout, vous devez avoir un budget et un budget strict. Parce que si vous ne savez pas respecter le propre budget que vous avez établi pour essayer de pouvoir liquider vos dettes et tout, vous ne vous en sortirez jamais. Jamais, 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 jamais. Et bien sûr, sur votre crédit, regardez toujours si toutes les informations qu'il y a sur vos crédits sont exactes. Parce que si elles ne sont pas exactes, appelez-les aussi et tout pour les enlever et tout. Donc, ceci dit, notre émission prend fin pour aujourd'hui. Je vous êtes libre d'écrire, de demander, de faire, de commenter ou bien de suggérer s'il y a quelque chose à suggérer. Mais bon, vous envoyez le courrier, je vous réponds, il n'y a pas de problème. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine justement pour notre émission de la semaine. Sur cette note, je remercie 5 sur 5 médias pour la possibilité d'établir ce dialogue que nous avons, qui fait il y a plusieurs semaines maintenant. Et vous apprenez, j'apprends, parce que vous savez bien qu'en étant agent immobilier, chaque fois que je dois animer l'émission, il faut que je me renseigne mieux, parce que ne croyez pas que je me mets là devant vous et puis après je sais tout. Non. Pourquoi est-ce que vous croyez que je fouille dans ma tête tout le temps là? Il faut que je lise. Et il faut que je sois sûre que justement je sais de quoi je parle, et je vais être sûre que justement quand vous m'écoutez et que vous allez Google dans vos tablettes et choses et tout, vous ne me contredisez pas. Donc sur cette note, passez ayez une excellente semaine et nous vous retrouvons la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Malgré la conjoncture économique difficile et les difficultés à pouvoir une éducation appropriée à la jeunesse, LBCM reste un des rares bastions de l'éducation de qualité supérieure. Chaque jour, LBCM se réinvente pour nos futurs leaders. Elle les prépare à affronter en toute confiance les enjeux à venir. Voulez-vous nous aider dans cette tâche noble? Laissez-nous un message sur notre page Facebook.